Laissez jouer le scorpion et salut à tous, on se retrouve sur Blasphemous, une quatrième partie, et puis là on était arrivé au monde de l'éternel crépuscule, donc on va explorer cette partie là du donjon. On était mort sur un boss il me semble, donc on va essayer de se le reprendre, enfin de tuer le boss. Donc c'est parti. Hein? C'est quoi cette attaque là? Maudite cloche. Corps est là. Ok, donc il me semble que le boss était là. Aucune offrande. C'est un boss qui apparaît qu'une seule fois, peut-être qu'on l'aura plus tard. Ok. C'est qui ce monsieur là? I halt here to look for a crossing to the other side, so as to continue my penance in wandering. Ah, don't let it be a disturbance to thee, penitent in guilt. For my feet, penitent one, may thy trade silence neither thy spirit nor thy... Ok. Là. Ok, j'ai le choix entre à gauche et en bas. On va aller en bas. Donc en bas, c'est une nouvelle zone. Donc. Et par là, je pense pas que je puisse y aller. Je pensais qu'on pouvait s'accrocher sur la chaîne, mais apparemment non. Ah. Ah, deux fois la même erreur, mon Dieu. Je pensais que je l'esquivais. Ah, le retour. Je veux pas mourir là-dessus, là. J'oublie encore que j'ai des potions dans le jeu là, moi. Oh.
On peut pas encore passer là-bas, donc on passe à la zone suivante. John Doe. Et on va explorer John Doe. Ça se casse pas ça, non. Ok, va falloir faire attention à ça. Alors, l'omoplate de Carlos le Bourreau. Exécution. C'est lui qui fait sonner les machins ? Ça a l'air. Alors, activation du levier, ça fait bouger les plaques. Attends, un passage secret ici ? Non. Comment je remonte ici? Ah, ok. Ouais, je pense que j'ai un pouvoir. Et si je vois qu'il y a quelque chose là, je dois pas encore avoir la capacité de pouvoir y aller. Oh. Que ça se tente, je pense que non. Ah, et puis le prix de Dieu, il est loin. Bon. Décidément. Allez, on se concentre. Donc là, c'était en bas quand même que je suis allé.
Ah. Ok, bon. Bon. Par là, je peux pas y aller. Sauf que maintenant... Ah, voilà ce que je cherchais. Ok, on est reparti. On va attaquer d'une échelle. Oups. Bam, bam, bam. Au moins... On réapparaît juste là. Pas évident cette phase de plateforme. Qu'est-ce qui se passe si je tombe? Je me fais lancer un frisbee. Bon. Il n'y a rien par là. Pas aller en haut. Ok. Non. Faut vraiment être précis pour les échelles. On peut pas aller plus haut ici. Coincé. Ah, voilà. Et là, on ouvre le raccourci. Et on continue en bas. Quoi cette grosse pomme? Es-tu un boss? Je pense que oui. Je suis pas prêt. Non, ça passe à rien.
wallet en frisbee. Merci. J'avais besoin d'un lift. Bon. Temps de réagir. Bon, j'espère qu'il y aura un autre prix Dieu de pas très loin. On aurait cru qu'il y avait un passage. Bon, redescend. Alors, les vertèbres de Jean le joueur. Ok, la prochaine fois je regarderai avant. Bon, de toute façon j'ai ouvert le raccourci. Ok, moi je peux peut-être aller de l'autre bord d'abord. Non! Où sommes-nous par rapport à la carte et par rapport à où je suis mort? Ok. Je sais pas si je peux lui tomber dessus. Oups. Alors ici, ouais, aucun problème. Alors, nous ramassons les vertèbres de Linguist le forgeron. Ah, bah ça va sonner. Ah, il sonne. J'étais à la limite de pouvoir me faire toucher. Oh. Bah, ça s'est ramassé.
J'ai trouvé un bouquet de romarin. Alors, qu'est-ce que ça fait le bouquet de romarin? C'est un objet de quête. Hop, le bouquet d'herbe, un bouquet d'herbes aromatiques courantes, il y a peu dans la forêt du sentier sacré. Mais aujourd'hui, leur rareté les rend de plus en plus précieuses, surtout pour ceux qui connaissent la propriété curative. D'accord. Donc là, c'est un cul-de-sac. Y a-t-il quelque chose en haut? Oui, il y a plein de monde. Épique ici. Allez, fonce. Je peux l'avoir. Oups. Ici, non. Ah, on va peut-être sauter. Hein. Voilà, je l'ai eu. Bon, j'ai débloqué quelque chose, je sais pas c'est quoi. Cette plateforme là. Ok, ça descendait jusqu'au pic. Et il n'y a pas de suite, il y a un chemin à droite. Alors, ça a l'air compliqué cette affaire-là. Voilà, j'ai raté. On va attendre qu'elle revienne. Alors, on peut rester comme ça indéfiniment. Ah non. Ça doit amener à quelque chose d'intéressant. On y retourne. Allez hop. Ah, il y a une chaîne de cassé. Alors, il faudra aller cacher la deuxième. Et ça fait bouger le truc en arrière.
Ok. J'ai pas encore débloqué ça. Ah, je pense que j'aurais pu. Ça aurait été plus vite. C'était là. Ouais. Allez, peut-être ouvrir le raccourci. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher ça là-bas. Au moins, j'aurais débloqué le petit ange. De Cupidon, je sais pas. Ah. Zut. Oh non, non. Bon, au moins le raccourci est ouvert maintenant, j'aurai moins de détours à faire. Voilà. Bon, c'est parti. Voilà comment on le fait d'une traite. Le cœur de la Sainte Purge. Alors,
Équipé mea culpa d'un cœur d'épée pour modifier ses propriétés. Il offre de puissantes améliorations, mais toujours à un prix. Ok. Alors. Ah, je peux pas l'équiper comme ça. Alors, le cœur d'une épée bénie de prière fervente peut s'enchasser dans mea culpa, augmente les larmes d'expiation recueillies, mais empêche d'utiliser les flacons de bile. Ok. Est-ce que je me tue pour revenir plus vite? Non. Ok. J'ai cru genre j'avais pas le choix. Pourquoi la caméra elle descend pas là, ça fait exprès là. Ah, il y a deux plateformes. Ok, ça c'est fait. Alors, on va retourner là-bas, puis il faudra aller de l'autre côté. Hop là. Bon, c'est ici que s'achève cet épisode. Ah, c'est nouveau ça, inventaire. Ah ok, c'est dans les prix dieux qu'on va équiper les mea culpa. C'est sûr que pour le moment, j'utilise pas beaucoup mes potions, mais ça va servir pour les boss, donc je pense pas que je vais mettre le cœur de la sainte purge tout de suite. Donc, comme je disais, c'est ici qu'on s'arrête pour cet épisode de Blasphemous, le quatrième. Et c'est ça, donc abonnez-vous si vous voulez rien manquer de Blasphemous, de toutes les autres vidéos de la chaîne. Le pouce bleu pour cette vidéo si vous aimez ça. Et puis on se retrouve dans de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.